F15, day 11, September 14, F15. Sur le revenu, c'est aujourd'hui. En sport, ils n'ont pas tremblé, pas hésité une seule seconde. C'est américain, logique, champion du monde de basket, vainqueur il y a 69 à 92, face à la Serbie. Six ones. Cinquième fois de championnat, on tient un but. Au bout de 20 secondes seulement sur le terrain. Et Marseille qui ne s'est pas arrêté là, face à Evian Thonon, lanterne rouge. L'OM vainqueur 3 buts à 1 et désormais deuxième au classement provisoire. On termine avec une exposition à ne pas rater au musée Jacquemart-André de Paris, consacrée à l'un des grands peintres de la Renaissance italienne, le pérugin peintre de Raphaël. Si Raphaël est la star incontestée de la Renaissance italienne, il le doit en grande partie au pérugin. C'est à ses côtés qu'il affirme son style qui lui vaudra sa renommée internationale. L'exposition rend donc hommage à l'homme qui a accueilli Raphaël dans son atelier, Gennaro Toscano, et l'historien de l'art. Le jeune Raphaël, qui est né à Rubino, le fils d'un peintre, Giovanni, en nom de son père, rentre dans l'atelier de Perugino. Et là, il est encore connu que le maître, grâce à la rentrée barbe, qui ont fait de Raphaël le peintre le plus apprécié, le plus aimé et le plus connu jusqu'à aujourd'hui. Le Pérugin était un staccanoviste, un travailleur insatiable